cette idée de dominance apicale, c'est elle qui va déterminer la manière dont la génétique va se développer. C'est une partie vraiment pas facile à expliquer. Je vous avais parlé juste avant du phénomène d'acrotonie. Donc acrotonie, c'est la force au bout. Acro, c'est le sommet, et tonie, c'est la force. Après, il y a la mésotonie, donc là, ça va être au milieu que la plante met sa force. Et puis, il y a la basitonie, ça va être à la base, d'accord? Donc ici, on pourrait parler de forte dominance apicale, d'accord? Ici, on pourrait parler d'une dominance apicale moyenne et là, de dominance apicale faible. Est-ce que vous comprenez? C'est que le bourgeon, là, régule moins la croissance des axes. Ici, il le régule, mais un peu plus, mais pas suffisamment pour être sûr de garder le leadership dans son axe principal. Et ici, il est sûr de garder le leadership dans son axe principal. Donc, suivant les végétaux, on va trouver ces trois manières-là de fonctionner. D'accord? Donc, acrotonie, assez classiquement, enfin, je sais pas, bon, le poirier, il est très acrotone, il a tendance à être très vertical, très acrotone. Mésotonie, l'olivier, probablement certains fruits à noyaux comme le pêcher peut-être, ouais. Et puis basitonie, alors là c'est un peu plus délicat, mais souvent le noisetier, quoi, clairement le noisetier, il a une tendance à faire de la basitonie. Mais il n'y a pas que le noisetier, le figuier en fait il est acrotone. Moi j'ai longtemps pensé basitone, et en fait en l'observant bien la dernière fois là, au stage, je me suis dit, mais non, en fait, il est acrotone. Il est acrotone, mais dans sa manière de se développer, ça me trompe, parce qu'il ne fait pas cet aspect-là en une seule fois. Il le fait en plusieurs fois, et on a la sensation d'avoir ce phénomène-là de basitonie. Mais donc, la basitonie, c'est je remets de l'énergie à la base, je repars de la base. Donc, tous les petits fruits, ils font ça. Hein, ce côté-là de régénération de pousse à la base. Finalement, le pêcher, il est assez mauvais pour faire ça. On a toujours tendance à avoir du problème avec les pêchers qui s'allongent et qui se déplument de la base et qui font des choses qui s'allongent et qui se cassent et qui ploient, là, vous voyez. Donc, il a, je crois, que plutôt une tendance un peu plus à l'acrotonie. C'est ça qu'on va observer cet après-midi, qu'on va apprendre à observer. On va essayer de regarder l'effet de la dominance apicale sur les modes de développement. D'accord? Et après, du coup, ça va nous expliquer comment les tailler. Parce qu'en fait, la dernière des choses qui nous manque, c'est savoir pour tailler, en fait, en quelque part. Il ne nous manque pas grand-chose, si ce n'est comment, à partir de là, il arrive à se développer et à mettre en place son architecture. Donc là, on va en reparler, parce qu'il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a le facteur puissance porte-greffe, le facteur génétique, la manière dont il se développe, c'est-à-dire la ramification, hein, est-ce qu'il est spiralé, est-ce qu'il est machin. Donc il y a tout ça à voir. Et puis, aussi, et c'est la chose principale pour la fructification, c'est où se situent les fleurs. Est-ce que les fleurs sont au bout? Est-ce que les fleurs sont à la base des rameaux? Est-ce que les fleurs sont uniquement sur les rameaux de 1 an, de 2 ans? Est-ce que... Enfin, vous voyez, tout ça, c'est à savoir. Et une fois qu'on aura rassemblé tous ces éléments-là, on aura probablement tous les éléments nécessaires pour comprendre chaque végétal. Non, le porte-greffe n'a pas d'action sur la génétique du greffon. Non. Oui, c'est une histoire génétique. Donc, par contre, il a une action sur le système hormonal. Donc, ça va plus être la manière dont s'exprime cette architecture que l'architecture elle-même qui va être modifiée. Donc la force avec laquelle s'exprime cette architecture. Mais le truc, c'est que des fois, quelque chose qu'on va pouvoir prendre comme de l'architecture, c'est en fait une histoire de vigueur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un porte-greffe nanifiant et un porte-greffe franc, on va avoir deux arbres, c'est les mêmes. Ils ont été greffés avec le même matériel végétal sur deux porte-greffes différents, et on va avoir la sensation de voir quelque chose de différent, simplement parce que la longueur des pouces a créé quelque chose de différent au niveau... au niveau 1, résistance à la loi de la pesanteur. Ouais. Boum. En quelque part. Donc, rappelez-vous, quand on parle de... C'est l'expression des processus d'équilibre entre les processus intérieurs et les contraintes extérieures exercées par le milieu.
D'accord ? Donc le processus interne ne change pas. Mais par contre, les processus externes, et pour moi, le porte-greffe est un processus externe à la génétique, d'accord ? On se retrouve avec un comportement qui va être différent. Après, il y a autre chose qui existe, ce sont les formes spurs, là. Donc ça, c'est pas des porte-greffes, c'est pas des porte-greffes nanifiants. C'est un greffage de certaines parties de l'arbre qui génétiquement vont se comporter différemment. Donc, c'est autre chose encore. Pour comprendre ce développement, il faut comprendre que bon, on peut avoir plusieurs types de développement. Là, par exemple, monopodial et sympodial, ça c'est lié à la floraison. C'est-à-dire que le développement monopodial, vous voyez, monopode c'est un seul axe, sympodial c'est avec un axe qui est modifié à chaque fois. Ça simplement, ce qui fait que la plante elle devient sympodiale, c'est souvent que la pousse se termine par une fleur. D'accord ? Ça va générer un développement sympodial. Bah, mécaniquement, l'apex, s'il devient une fleur, c'est obligé que ce soit un bourgeon d'en dessous qui prenne le relais. Donc du coup, on se retrouve avec un développement qui est sympodial. D'accord ? Donc là, les fabacées sont beaucoup comme ça, les légumineuses, par exemple. Le concept de réitération est vraiment très important sur la compréhension de l'architecture. C'est-à-dire que la plante, elle met en place son architecture, c'est-à-dire que chaque plante a un génome avec un nombre de ramifications qui va amener à la fructification. Je me fais comprendre ? C'est-à-dire qu'elle va devoir se développer un nombre de fois défini pour arriver à fabriquer un bourgeon qui va pouvoir être un bourgeon à fleurs, pour fructifier. Le bourgeon à fleurs, c'est le bourgeon terminal, c'est le summum du développement architectural du bourgeon. D'accord ? C'est le but ultime. Donc les plantes, elles ont chacune un génome pour ça, qui va être mis en place sous forme de réitération. Donc on va appeler ça une séquence. Donc cette réitération sous forme de séquence, c'est une mise en place de l'architecture propre à chaque espèce. Donc on peut en avoir chez certains végétaux, ça peut être une pousse, deux pousses, et c'est la troisième pousse qu'on va commencer à pouvoir fabriquer des fruits. Mais chez certaines d'autres plantes, ça va être qu'au bout de 4, voire 5 pousses qu'on va commencer à pouvoir fabriquer des fruits. D'accord ? Donc c'est une histoire de ramification. Donc cette mise en place, elle est mise en place par cette réitération séquentielle. Et puis on a un deuxième type de réitération. Donc attends, j'explique le terme de réitération, je suis un peu confus. Réitération, c'est refaire une nouvelle fois. Donc à chaque fois qu'on a un bourgeon qui sort et qui se pousse, c'est une réitération. D'accord ? Il réitère, donc comme je dis, c'est un nouvel arbre qui pousse sur l'arbre. Il ne pousse pas comme le premier parce qu'il est régi par un système hormonal. D'accord ? Par l'apex. Comprenez ? C'est pour ça qu'on ne voit pas, spécialement au début, que c'est des colonies d'arbres. Que chaque bourgeon est un arbre. Puis après, on a les réitérations donc, retardées. Ce sont des réitérations, donc des nouveaux bourgeons qui poussent, qui peuvent être des bourgeons proventifs ou adventifs, qui poussent en réaction suite à un problème soit de mutilation, soit un phénomène d'apparition de lumière dans un endroit où il n'y en avait pas avant, par exemple, ou réchauffement de la sève, ça peut faire sortir des bourgeons. C'est marrant parce que du coup. Bon, pour. Je ne sais pas, je l'ai mis dans ce sens-là, mais. Le concept là d'unité architecturale, c'est justement se dire que les arbres mettent en place leur système architectural. Et ont chacun ce qu'on appelle une unité architecturale, c'est-à-dire un nombre de ramifications nécessaires à la mise à fruit. Ça ne veut pas dire que celui-là qui en a par exemple 5, il va dès la 5e année faire du fruit. Ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il a mis en place son système et son nombre de ramifications maximales. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il va s'arrêter de grandir. Puisqu'en fait, on a toujours l'apex. Vous voyez, l'apex, il est marqué toujours en numéro 1. On a une pousse qui était numéro 1 ici, elle est passée numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Mais la pousse du haut, c'est toujours un bourgeon de 1 an qui pousse et qui fait une pousse numéro 1. Donc on a déplacement des unités architecturales vers l'extérieur, jusqu'à ce que l'arbre arrive à mettre en place tout son système de manière globale, avec son génome, sur
qui est dépendant de, bah, éventuellement du porte-greffe, mais de la force et de sa capacité à se connecter à l'environnement solaire. Et donc, c'est là que, quand on a des pouces, comme ici, on a un seul axe avec l'auxine, si par exemple on a un second axe qui commence à concurrencer, on va avoir une concurrence au niveau hormonal. Vous voyez, la dominance apicale va être contestée. Et là, c'est en contestant cette dominance apicale qu'on va avoir la création de ce que l'on appelle une fourche. Et ça, c'est le début de ce que l'on on peut apercevoir sur un arbre comme charpente. Donc à partir du moment où on a création d'une fourche, donc on a perte de la dominance apicale d'un axe au profit de plusieurs, on a commencé à créer ce que l'on appelle des fourches, et l'arbre va commencer à partir de ce moment-là à créer une charpente, c'est-à-dire à avoir des axes côte à côte qui sont autant d'arbres qu'il y a d'axes qui concurrencent cet axe principal. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un arbre avec 5 branches comme un gobelet, on n'a plus un arbre, on a 5 arbres qui poussent sur le tronc. Au niveau hormonal, j'entends, hein, toujours. Donc on reste au niveau hormonal. C'est-à-dire que si j'agis de manière hormonale sur un de ces 5 axes, ça n'a pas d'implication sur les autres. Ça a des implications au niveau force, au niveau vitalité, puisqu'on a une énergie qui n'est plus distribuée en 5, mais qui est distribuée en 4. Mais par contre, au niveau hormonal, je n'ai pas de réaction. D'accord ? Donc, en fait, on a d'action au niveau hormonal que sur, de possibilités d'action au niveau hormonal, que sur l'unité architecturale même. À partir du moment où on a création de fourche, on a distinction des systèmes hormonaux dans le végétal. Et là, on rentre dans la compréhension de ce que ça vient une colonie d'arbres sur l'arbre. D'accord ? Et là, on va pouvoir se retrouver avec un arbre avec 30 ou 40 arbres côte à côte qui sont indépendants au niveau hormonal. Donc ça, c'est vachement important dans la taille, parce que ça va nous permettre de comprendre que quand on a une action sur une branche, le type d'action qu'on va avoir va ou non impliquer quelque chose sur la branche qui est à côté. D'accord ? Hyper important. Donc on va essayer d'observer ça cet après-midi. C'est la chose la plus importante à arriver à observer. Je dirais, si on arrive à l'observer, à le dessiner, on va essayer de jouer à un jeu cet après-midi que j'ai pas, je ne suis pas encore arrivé à faire jouer aux stagiaires, mais j'aimerais assez que cet après-midi, on prenne papier et crayon et qu'on va essayer de dessiner. Je vais vous amener en face d'arbres et dessiner de manière schématique. On n'a pas besoin d'être... c'est pas nécessairement besoin que ce soit beau. On a besoin simplement de voir si vous arrivez à observer et à bien comprendre l'indépendance de chaque partie du végétal. Ok. Bon. Juste pour finir, je voudrais juste parler de ce phénomène de réitération. Donc on avait, je le disais, ces réitérations séquentielles et les réitérations retardées qui sont des réitérations traumatiques. Donc on peut avoir une réitération qui est une réitération avec un rejet, vous voyez, vous avez un problème, vous avez coupé une branche, vous avez une réitération, vous avez un rejet. Donc si vous coupez une branche et que vous avez un rejet, vous repartez à 0, d'accord ? Vous partez sur 1, vous n'êtes pas structuré. Si tous les ans vous enlevez, vous repartez sur 1, 1, 1, 1, alors que c'est 4 ou 5 pour faire des fruits, dans les meilleures conditions. Donc si vous repartez toujours sur 1, vous ne réglez jamais le problème. Vous êtes tout le temps en train de refuser que l'arbre se structure. Alors que lui, bah, il sait parfaitement se structurer. Sauf d'accord ? Si c'est une fructification sur la pousse de l'année. Sauf si c'est une fructification sur la pousse de l'année. Tout est malin. Hein. Mais quand même. C'est-à-dire que il est capable de fructifier sur la pousse de l'année, mais au détriment de... Si tu fais plein de pousses de 1 an, donc c'est ce qui se passe finalement sur la vigne. C'est ce qu'on fait sur la vigne. Mais au niveau architectural, ce n'est pas la manière la plus maligne de faire pour arriver à choper le maximum d'énergie en fonction de l'ensoleillement. Mais c'est bien un peu une des stratégies des tailles fruitières sur certains pêchers, par exemple. Il y a certains pêchers qui fructifient sur la pousse de l'année d'avant. Donc du coup, tu peux te permettre de tout le temps tout jarter au printemps, hop, il refait une pousse, et l'année d'après, sur cette pousse-là, à la base de cette pousse-là, tu peux même la réduire, bam, de nouveau, tu as des fruits. Mais par contre, ça n'empêche pas que il a quand même un fonctionnement avec une hiérarchisation et une structuration dans l'espace de sa charpente pour avoir une connexion optimale à l'ensoleillement.
Ça va, comme ça. Et, donc on peut avoir une réitération qu'on va appeler une réitération, la réitération retardée. Et cette réitération retardée, d'ailleurs, si on a un développement total de cette réitération avec tous les axes, on va l'appeler réitération retardée totale. Bon, vous avez, ouais, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'au bout, exactement. Sur le processus de fructification, sur la plupart des arbres, on va augmenter la capacité à fructifier, on va stimuler la fructification, y compris sur les arbres qui fructifient au bout de la pousse de un an. On va stimuler la croissance et stimuler la fructification par un basculement. C'est-à-dire qu'un basculement, c'est une action hormonale dans la plante qui fait que, induite par le tailleur ou induite par la force de la pesanteur, le fait que la branche s'horizontalise et se retrouve à perdre de l'altitude par rapport à d'autres bourgeons, en comparaison à d'autres bourgeons, on va se retrouver avec une capacité à fleurir qui va être supérieure. Et cette capacité à fleurir qui va être supérieure, on va l'observer. Donc ça, c'est beaucoup chez les. On observe ça beaucoup chez pommiers, poiriers. Un peu chez tous les arbres, mais quand même très fort chez pommiers et poiriers. Ce phénomène de basculement-là, qui fait que les organes de fructification se retrouvent sur la partie basse et en dessous de l'horizontale, davantage que sur les parties hautes et sur la verticale. À nuancer suivant forcément certaines espèces qui sont plus ou moins à croissance verticale, mais vous allez voir que même sur les espèces à croissance verticale, ce seront quand même les bourgeons latéraux qui seront horizontaux qui vont fructifier. D'accord ? Donc ça, c'est un système le phénomène de basculement, c'est un phénomène qui permet d'accroître en longueur et en surface la connexion de l'arbre avec son environnement solaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la branche elle pousse tout droit sur 15 mètres et qu'elle tienne droit. C'est impossible. Donc c'est par contrainte successive que la branche elle arrive à se développer comme ça. Donc elle va faire une première pousse. La première pousse, c'était celle-ci. Si je regarde, la première pousse, c'est celle-là. Celle-là, en fait, elle a grandi. À l'époque, elle était verticale comme celle-ci. Et puis, elle a commencé à basculer sous l'effet de son allongement et sous l'effet de la fructification, parce qu'elle s'est retrouvée avec le poids des fruits, à basculer. Elle s'est retrouvée dans cette position-là. Et puis, on a eu un rejet, qui est celui-ci, qui est apparu. Puis, de nouveau, parce que en basculant, de la lumière est apparue sur le dessus. L'altitude était plus importante sur le sommet de la branche. De nouveau, on a un rejet. Et ainsi de suite. Et donc on voit que la branche d'avenir, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci qui finira par basculer et venir plus loin ici. Et c'est par le basculement successif que la branche, elle arrive à se développer et à explorer davantage l'espace en surface. OK ? Et à produire des fruits. Celle-là ne produit pas de fruits, ou très peu. Mais en fait, celle-là ne produit pas de fruits, mais celle-là produit des fruits. Parce que celle-là, elle est quand même horizontale par rapport à la verticale. Vous voyez, donc c'est juste, on peut l'interpréter avec tout un étagement. Mais mécaniquement, forcément, si on devait enlever une branche, pour aller dans le sens de l'arbre, on ferait ça. Pour aller dans le sens de la fructification, on se méfierait. Oui. Voilà pour ce matin.